Allez, avec moi, Johan Aliouat. Johan, première titularisation, premier match, première victoire. Quelle sensation ce soir après cette belle, belle victoire après contre Aurillac? Très, très bonne sensation, oui. Ça fait toujours plaisir de gagner la deuxième équipe du championnat. On a bossé toute la semaine pour. On a respecté le plan de jeu et c'est vrai qu'on sort satisfait de cette victoire. Ça fait du bien au moral. Bon, ton sentiment aussi de cette association avec Pierre Morin, je crois que c'était la plus jeune seconde ligne du Pro D2 ce soir. 22 ans et demi de moyenne d'âge et puis vous avez joué comme des vieux briscards. Oui, c'est vrai qu'on s'est souvent joué contre avec Pierre. Là, on a un début de complicité qui s'est mis en place. C'est vrai que j'ai apprécié jouer avec lui. Et il m'a, entre guillemets, guidé sur les touches. Il m'a beaucoup aidé et je remercie. Ouais, ça marche. Pour revenir sur le match, une équipe d'Aurillac costaud en face et vous avez répondu présent. Là aussi, c'est le collectif qui a parlé, pas d'individu. C'est vraiment le collectif qui a joué ce soir. Ouais, exactement, c'est ça. Oui. Toute la semaine, on a vu leur plan de jeu et on s'est dit que c'est pas individuellement qu'on allait les gagner, mais collectivement. On a respecté ce qu'on s'était dit toute la semaine à l'entraînement, en vidéo. On s'est bien entraîné, donc je pense que le travail paye. Bon, et toi, ton premier sentiment, c'était un premier match de Pro D2, on est d'accord là-dessus. Donc ton sentiment plus général sur le championnat, ça joue quand même en Pro D2? Oui, ça joue. Ouais. Les contacts sont rugueux, mais bon, ça, y a beaucoup d'intensité, il y a des hauts, des bas, mais c'est vrai que j'en sors très satisfait. Écoute, on va souhaiter alors beaucoup d'autres feuilles de match ici à Carcassonne en Pro D2, et pourquoi pas avec en plus le même résultat. Merci Johan. Merci à vous.